Bonjour. Pour vous les poissons, voici comment on se présente. Eh bien, cette nouvelle version du tarot Shōzen. Vous avez les trois cartes de la sagesse des royaumes cachés, le prince de l'arc-en-ciel, l'arbre de repos et la dame de la foudre, qui viennent souligner que votre défi, c'est de faire preuve de courage, c'est de faire preuve de persévérance, c'est de mobiliser vos ressources en direction d'un résultat qui sera sans doute, oui, rapide, j'allais dire brutal, oui, qui viendra à un moment donné. Peut-être celui, avec la carte de la patience au centre, celui auquel vous vous attendez le moins. À la demande de certains d'entre vous, je vais tirer des cartes de l'Enchanted Map en guise de carte d'oracle pour conclure ce tirage. Mais comme vous le notez ici, le premier changement que je fais, c'est qu'il y a trois cartes d'oracle. Votre défi, c'est de mobiliser votre force, vos ressources. C'est de faire preuve de courage parce que votre persévérance, elle fera la différence. Votre persévérance vous permettra d'atteindre vos objectifs. Mais je vous l'accorde, ça va peut-être être long avant d'obtenir vos résultats. On a une première carte, le prince de l'arc-en-ciel, qui parle de persévérance, qui vous dit que si vous persévérez en direction de vos objectifs, vous finirez par les atteindre. Et elle est couverte par l'arbre de repos, qui vient vous parler de patience, qui vient vous dire que vous obtiendrez vos résultats, mais qu'il faut peut-être un cycle supplémentaire, finalement, parce que l'arbre de repos souligne que entre le moment où on sème des graines et le moment où l'on peut récolter ce que l'on a semé, il y a forcément une période de répit. Tout ce tirage vous voit comme devant tenir bon dans une situation, peut-être face, sans doute, face à d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, le résultat, il viendra. Il viendra à partir du moment où vous saurez dans quoi vous vous engagez, que vous aurez réaffirmé vos engagements et que vous lâcherez prise pour vraiment libérer toute votre puissance. C'est sans doute pour ça que l'action nécessaire au progrès ici, c'est faire preuve de patience. Parce qu'il va falloir que non seulement vous visiez vos objectifs, mais que vous mobilisiez toutes vos ressources. Et ça peut prendre du temps. Ça peut nécessiter un temps de repos. Parce qu'il vaut mieux prendre quelques jours pour prendre un vrai repos et ensuite attaquer les tâches que l'on a à faire plein d'énergie, plutôt que de se lancer encore épuisé de ce que l'on vient de terminer dans quelque chose de nouveau. Ici, je vous en parlerai sans doute plus longuement dans l'extension. Il peut y avoir une prise de position, il peut y avoir une prise de parole, il peut y avoir une décision rapide, il peut y avoir une évolution. Vous attendiez quelque chose et puis ça y est, c'est le jour où ça se produit. Le plus important pour vous, le grand défi ici, c'est de rester concentré sur l'objectif pour que cela arrive justement. Pour que vous ayez cette plénitude, là, cette as de pentacle. Je vais procéder au tirage, je vais procéder à la lecture des cartes que vous voyez du Light and Seer Tarot dans l'extension. Je vous remercie d'ailleurs de soutenir mon travail en achetant les extensions, voire même en achetant, en prenant le forfait de l'ensemble des tirages, parce que, ça me permet de vivre un tant soit peu de ce que je fais. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je suis en train de penser que la pleine lune est chez vous. Que oui, il va y avoir la fin de quelque chose, mais que le plus important, c'est de vous concentrer sur le début d'autre chose.
Là, on a vraiment des cartes qui viennent vous dire que votre défi, c'est de vous concentrer sur ce qui va grandir, sur ce qui va prospérer, sur ce qui, un jour ou l'autre, va remplir votre panier. Et pour cela, il faut que vous semiez les graines et que vous attendiez patiemment, que vous preniez soin de ce que vous avez semé pour que ce résultat se produise. Soyez concentrés sur ça dans les semaines à venir. Soyez concentrés sur ce que vous êtes et ce que vous voulez voir se développer pour vous. Parce que c'est là que vous obtiendrez le résultat. Le résultat a un côté inattendu, a un côté brutal et surprenant. Mais plus vous aurez travaillé sur ce résultat, et plus il sera à la hauteur de ce que vous espérez. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. N'hésitez pas à poser des limites aux autres, n'hésitez pas à refuser des projets qui pourraient entraver votre liberté d'action. Hein, il vaut mieux vous reposer plutôt que de vous investir ailleurs et manquer le moment où le changement sera là et où il faudra s'en occuper totalement, s'y consacrer totalement, parce que ça c'est aussi une carte qui indique que vos ressources vont donner leurs fruits, mais surtout qu'à un moment donné vous allez passer au stade supérieur. Donc il y aura de nouvelles décisions, il y aura de nouvelles actions à mettre en œuvre, et forcément il vaut mieux que bien vous ayez refusé des offres qui auraient pu vous détourner de cette récolte. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Si vous le désirez, vous pouvez cliquer dans le menu. Hein, vous avez le lien pour aller sur l'extension du tirage. Encore merci à vous qui choisissez de soutenir mon travail ainsi. Et vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo ici sur YouTube. Merci et au revoir.